Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi. J'étais à Colmar à la recherche d'une idée entrepreneuriale pour mon pays et pour mon continent. Suivez-moi. Alors, c'était une balade en famille. J'étais avec ma mère, ma copine et les enfants. Mon but dans cette balade était de trouver le plus que je pouvais apporter à mon pays et à mon continent. Alors, je regardais tout autour de moi, je rigolais, je profitais du moment tout en étant très vigilante. Ma mère a arrêté la caméra et là, elle voulait apparaître à l'image. Donc là, vous voyez des souvenirs de la ville de Colmar. Colmar, c'est une ville qui est en France, précisément en Alsace. C'est une commune du Haut-Rhin et c'est une ville riche en patrimoine architectural. On y trouve aussi beaucoup de vignes et des maisons anciennes. Regardez-moi cette image. Je suis désolée, c'est un peu flou. J'essayais de vouloir vous montrer un peu à quoi ça ressemble, tout en cherchant le petit plus. Et là, j'ai trouvé quelque chose. Vous voyez ces poubelles dans le coin? Je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas avoir des bacs à ordures de recyclage dans nos villes, dans nos pays, pour pouvoir recycler les ordures tout en gardant la ville propre? Ça, c'est une idée pour la commune. Ou bien c'est une idée qu'une personne peut entreprendre, un projet que quelqu'un peut entreprendre. Si vous êtes intéressé par l'écologie, je me suis dit que c'était une très bonne idée à partager avec mon peuple. Je continuais, je regardais. C'était beau. Il y avait du monde dehors ce jour-là. Regardez cette architecture. Mais là, je crois que c'est une peinture. Et puis, je suis tombée sur cette boutique. Ah, c'était la révélation. C'était la révélation. Pourquoi? Parce que c'est une boutique de prêt-à-porter en friperie. Je me suis dit, tiens, dans mon pays, à Douala Yaoundé, il faut traverser des flaques de boue, marcher au fond du marché, trier des vêtements empilés les uns sur les autres pour pouvoir trouver la pièce idéale, la pièce de la friperie idéale. Alors qu'on peut faire une boutique où les vêtements sont présentés de cette façon-là pour que ça soit plus attractif, attrayant et que ça donne envie d'acheter. Tous ces habits, ce sont des habits qui ont déjà été portés. Et là, je suis tombée sur cette vague de tambours. J'étais émerveillée. C'était un groupe de musique composé des Ivoiriens, des Gabonais, des Camerounais, qui organisait un festival ce soir-là et qui animait la ville pour donner envie aux gens de se retrouver pendant leur festival. J'étais très émue de voir ce métissage, comment ils ont apporté de la chaleur ce jour-là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Bye bye.